أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers écoliers, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Je suis revenu toujours pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison. Il est destiné aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est les verbes au futur simple. Savoir conjuguer les verbes au futur simple. Bien, soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement primaire, conjugaison les verbes au futur simple. Alors, la page. Pardon. Bien, alors nous avons dit que les verbes au futur simple. Alors ça veut dire que la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'identification, à la conjugaison des verbes au futur simple. La page 104. Quand on dit les verbes, on n'a pas bien précisé quel genre de verbe, mais ce sont tous les verbes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Alors premièrement, j'observe et je découvre. Voilà, quoi. Les aliments fourniront l'énergie nécessaire à ton corps. Les et te permettre d'être en bonne santé. Toutefois, ton corps ne pourra pas les utiliser directement. Le corps ne peut pas utiliser ces aliments directement, ils seront transformés. Hein? Il devra d'abord les transformer. Hein? En toutes petites parties. Il exerce sa réa qu'on appelle les nutriments. Voilà la leçon, le texte sur lequel on va étudier notre difficulté d'aujourd'hui. Alors, premièrement, on a lu, hein? On a lu le texte. La lecture des phrases, ou bien des phrases. Alors maintenant, quels sont les verbes conjugués dans ce passage, dans ce passage, ou bien dans ce paragraphe? Alors les verbes qui sont conjugués, c'est fourniront, pourra, devra et appelle. Donc nous avons quatre verbes qui sont conjugués dans ces phrases-là. Bien, alors voilà, fourniront, permettront, pourra, devra, appelle. Donc, nous avons cinq verbes. Bien. Alors, quel est l'infinitif de chaque verbe? Alors, maintenant, on a extrait les verbes qui sont conjugués dans les phrases. Maintenant, on va chercher l'infinitif de ces verbes-là. Bien. Je termine l'explication. Attendez-moi. Bien. Alors, voilà maintenant l'infinitif. Nous avons fourniront. Fournir, permettront, permettre, pourra, pouvoir, devoir et appel. Voilà, 5 verbes conjugués au futur et un au présent, et voilà l'infinitif. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Alors, ces verbes-là que vous voyez devant vous, fourniront, permettront, pourra, devra, tous ces verbes-là, ils sont conjugués au verbe. Au futur, pardon, et celui-là est conjugué en présent. Donc nous avons 4 verbes conjugués au futur et un seul verbe qui est conjugué au présent. Donc voilà, au futur, sauf à peine qui est conjugué au présent. Bien. Bien, je termine l'explication. Alors maintenant, je manipule et je réfléchis. Je complète le tableau suivant. Je complète le tableau suivant par les verbes conjugués. Alors nous avons les verbes fourniront, permettront, pourra, devra, appelle. Bien. Et nous avons les terminaisons rend, ra et e. Hein? C'est le présent. L'infinitif fournir, permettre, pouvoir, devoir, appeler. Donc nous avons trois verbes. Qui sont troisième mot, un seul verbe qui est au premier mot, c'est appelé.
devoir, pouvoir, permettre, fournir, nous avons trois verbes, troisième groupe, et fournir, deuxième groupe, et appeler, premier groupe. Donc nous avons trois groupes, fournir, fournissant. Alors si la deuxième personne du pluriel, le groupe, fournir, deuxième groupe, permettre, troisième groupe, pouvoir, troisième groupe, et devoir, troisième groupe, et pouvoir, c'est le verbe du appeler, c'est un verbe du premier groupe. Donc nous avons premier groupe, deuxième groupe, et trois verbes du troisième groupe. Je conjugue chacun de ces verbes au futur. Pour regarder, alors les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, ils gardent la base. Ils gardent la base. Seulement, on ajoute les terminaisons et, a, on, et on. Donc, je dirais, je regarderai, tu regarderas, il regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont. Voilà le futur du verbe de premier groupe. Je garde l'infinitif et j'ajoute a, i, a, s, a, n, s, z, o, n, t. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est la même chose. Je garde l'infinitif et j'ajoute et, a, on, et, on. Alors, je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront. Bon, voilà. La base, elle est écrite en blanc. Et voilà la terminaison du futur. Faire, c'est un verbe qui change, hein, c'est un verbe irrégulier. Alors, c'est un verbe de troisième groupe, il change la base, il change la base. Alors, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, ils gardent la base. Et pour les verbes du troisième groupe, qui sont des verbes irréguliers, ils changent la base, ou bien partiellement, ou bien totalement. Bon, voilà la leçon. Bien. Bon, voilà je termine la conjugaison des verbes. Nous avons vouloir. C'est un verbe du troisième groupe. Ils changent la base. Partiellement, il n'a pas totalement, il garde vous, je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Voilà la conjugaison du verbe vouloir, hein, c'est un verbe du troisième groupe, c'est un verbe irrégulier, donc il change la base partiellement. Je retiens, en nous sommes venus, je garde dans ma mémoire, j'inculque le bilan dans ma mémoire. Pour conjuguer les verbes usuels, un verbe qu'on emploie beaucoup, les trois groupes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, au futur simple. Hein? Je dis au futur simple. On utilise les terminaisons suivantes. Ré, la première personne du singulier. Ra, la deuxième personne du singulier. Ra, la troisième personne du singulier. Ron, la première personne du pluriel. Ré, la deuxième personne du pluriel. Et ron, la troisième personne du pluriel. Nous avons trois personnes du pluriel et nous avons trois personnes du singulier. Exemple. Je partirai. Hein? C'est un verbe de troisième groupe, mais il garde la base comme le verbe du deuxième groupe. Hein? Je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Bien, voilà la leçon d'aujourd'hui, elle est terminée. C'est ça l'objectif de notre leçon, c'est de savoir conjuguer les verbes des trois groupes au futur. Ça veut dire pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, je garde la base et j'ajoute une terminaison. Et A, on, Z, N, D. Et pour les verbes du troisième groupe, ils changent la base, partiellement ou bien totalement. Bien, j'espère que la leçon soit bien comprise, bien assimilée. N'oubliez pas de mettre le pouce sur j'aime et abonner pour recevoir toutes les leçons nouvelles et pour m'encourager moi aussi à continuer à vous présenter toujours de nouvelles leçons prochainement. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application pour consolider l'acquis de la conjugaison des verbes du troisième groupe au futur. Au revoir.